Comment qualifier l'extraordinaire mouvement que portent avec tant de courage les femmes et les jeunes en Iran depuis l'assassinat de Mahsa Amini et de tant d'autres depuis? Certains parlent de révolte. Non, c'est une révolution. Pas cette révolution islamiste, celle des mollahs, qui n'est qu'une régression. Ce régime de l'oppression et de la corruption, ce régime des assassinats, de l'emprisonnement des manifestants, des défenseurs des droits humains, des journalistes, ce régime de la peur des femmes, de leur soumission par le voile et par la loi. Ce que nous voyons avec tant d'admiration, c'est une révolution des consciences, des cœurs et des corps qui n'en peuvent plus d'étouffer et de souffrir. Une révolution de libération et de civilisation où les femmes, en arrachant leur voile, portent l'étendard de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la sororité. Alors l'Union européenne ne doit pas transiger, elle doit sanctionner les auteurs de ces crimes. Contre celles et ceux qui portent la terreur, soutenons celles et ceux qui défendent la libération des femmes, les combats et les valeurs qu'elles portent sont celles de l'Europe. Femmes, vie, liberté.